Bienvenue dans mon salon et dans Confit de Culture, la culture en mode confiné. Il fait un temps à sortir et pourtant tout le monde ou presque est logé à la même enseigne. Quand rester chez soi est une affaire vitale, s'occuper comme on peut devient aussi une affaire essentielle. Voici quelques initiatives, créations, vidéos et autres rendez-vous que la rédaction de Télérama a glané pour vous sur le web. Tous les liens dont on vous parle ici se retrouvent sous cette vidéo en description. Pandémie et confinement obligent, la fête du court-métrage qui devait se tenir en ce moment même se déroule non pas dans les salles, mais à la maison. Gratuit et en ligne. Une sélection de courts-métrages est visible sur le site du festival. Pour les voir, il suffit de vous inscrire. Et parce que Télérama pense à vous, nous vous proposons d'en découvrir certains. Coup de projecteur sur le coup des larmes, réalisé par la marraine du festival, l'actrice Clémence Poésie. Tension et atmosphère hivernale au programme. Les concerts vous manquent ? À moi aussi, beaucoup. Si les salles ont malheureusement fermé leurs portes, les prestations live, elles, ne manquent pas sur Internet. Saluons les musiciens du Théâtre National Serbe Novi Sad réunis dans une vidéo acrobatique. Chaque instrumentiste s'est filmé seul à la maison, avant que la magie du montage et de la synchronisation ne fasse sonner un superbe Bella Ciao, formidable chant de révolte et hymne à la résistance. Même ambiance pour les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, confinés chez eux. Eux livrent l'Ode à la joie de Beethoven, autre morceau on ne peut plus symbolique. Des orchestres virtuels pour des émotions bien réelles. Et puisqu'il en faut pour tous les goûts, on vous conseille aussi la session privée Télérama Harcourt de Devendra Banhart. Ça se trouve sur la page YouTube de Télérama. Carolina, Carolina. Lien dans la description. Namasté. Côté documentaire, nous ne saurons trop vous conseiller Le souffle du canon, témoignage aussi rare que bouleversant de soldats français de retour de leur mission. Un travail en immersion du reporter Nicolas Mingasson au plus près de ces hommes et de ces femmes que la guerre a blessés psychologiquement et durablement. Ça m'est arrivé la nuit, quand je me réveillais de faire des cauchemars, ouais. Je sentais comme si j'étais rempli de sang, quoi. L'odeur, elle me quittait plus, quoi. Chez mes parents, je faisais des rondes la nuit en machette. Un docu à voir sur Public Sénat et en ligne, dont le lien se trouve sous cette vidéo. Quitte à avoir du temps, autant le mettre à profit pour cuisiner de bonnes choses. Tous les jours de la semaine, notre critique gastronomique Esther El Payani délivre une recette facile d'un plat vu dans une série ou dans un film. Chili con carne de l'inspecteur Colombo, coulis de chocolat de Charlie et la chocolaterie, curry végétarien de The Lunchbox. C'est facile, c'est bon et ça remonte le moral. Merci Esther El. L'envie de vous dégourdir les jambes dans un musée ? Heureusement pour vous, 10 des plus grands musées du monde ouvrent leurs portes de manière virtuelle. Photos, vidéos, entretiens, contenus spécifiques autour des collections du Louvre, du Centre Pompidou, du Prado, de la National Gallery de Londres ou du musée Van Gogh à Amsterdam. Suivez le guide ou le lien qu'on vous met dans la description. Et puisqu'il faut bien faire la fête malgré tout, poussez les meubles de chez vous, servez-vous un verre avec modération et transformez votre salon en piste de danse. Tsugi Radio a lancé son festival Maison Tsugi. Tous les jours, la crème de la crème des DJ mix en live et sur la page Facebook de Tsugi Radio. Moi, je vous laisse, je vais m'ambiancer. Avant ça, l'équipe de Télérama vous souhaite beaucoup de courage dans ces temps pas évidents. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Télérama et dans mon salon.
Bye. Thank you.